Mes petites courses, on commence par moi les raclettes, j'adore les raclettes, mais avec ça, ça en messieurs drôme, ce sont des œufs de caille, donc c'est très très bon, franchement c'est super bon, mettez votre fromage, mettez l'œuf de caille dessus, c'est parfait, avec la barbac, de la salade, donc de la salade comme ça en sachet, parce que j'ai eu la flemme de prendre une salade entière, parce qu'il y en aurait trop eu, et puis il faut la nettoyer, tout ça. Fromage, j'ai été gentil en fromage, j'ai pris du classique pour l'or et tout ça parce qu'ils sont compliqués et du cep en morceaux, c'est super. On a des patates, ça c'est obligatoire, et enfin deuxième paquet de barbac. Donc je croise les doigts pour qu'il y ait assez pour soi. Normalement, on est large, j'en ai eu pour 25 euros, donc ça va. Coucou bébé! Et voilà la petite deuxième, Eden est déjà à l'école. J'ai la petite mère que j'ai habillée et coiffée qui court après une baballe. J'ai réussi à lui faire deux couettes en prenant des cheveux sur les côtés. Alors l'arrière, je peux pas trop prendre, même s'il commence à avoir une bonne longueur. Et puis sa petite frange, je la relève simplement avec une barrette, ce qui me permet de lui faire des couacouettes à l'arrière. Du coup, de lui dégager bien son petit visage. Coucou! Et ouais, t'es belle avec tes couacouettes? On pourrait limite faire des petites choucroutes. Mais bon, déjà arriver à les faire au même niveau avec un bébé de 9 mois qui bouge, moi je vous dis c'est du challenge. Hein, c'est du challenge, mademoiselle. Ouais? Mais on y est arrivé? Puis tu t'es plutôt pas trop mal laissé faire, c'est juste qu'elle bouge la tête dans tous les sens pour attraper ce qu'il y a autour. Elle se laisse faire vu qu'elle a l'habitude, vu que je fais ça depuis qu'elle est toute petite. Toute petite. Toute bébé, même si t'es encore tout bébé, tu commences à faire petite fille. Bonjour à tous, au fait, parce que je crois que je vous ai pas encore dit bonjour, j'ai un problème de bébé mèche qui repousse, c'est affreux. Je suis super contente, je mets en place ma morning routine, ma miracle morning à 5h du matin, donc je me lève maintenant à 5h du matin, j'avais passé 6h, 5h30, là je suis passée à 5h, et vraiment c'est hyper efficace pour pouvoir avoir le temps eh bien, d'avancer sur mon nouveau travail. Comme j'ai pas pu y bosser hier, bah forcément aujourd'hui je dois faire double journée, entre guillemets, donc déjà je me suis arrêtée à 9h, j'ai commencé à 5h, même si je me suis posée 20 minutes pour faire le biberon de Lily au milieu de 6h30 et pour habiller et descendre Eden et l'installer au petit déjeuner, donc j'ai dû m'arrêter une demi-heure maximum, peut-être trois quarts d'heure, donc du coup j'ai vraiment bossé 2h30 efficacement. Elle me regarde, ma ninette. Qu'est-ce qu'il y a, mon bébé? Qu'est-ce qu'il y a? Ça va? Ouais. Il faut que je ressorte la table basse d'ailleurs maintenant, parce que maintenant qu'elle est plus grande, je vais pouvoir la réinstaller. Et du coup, dans tous ces objectifs de résolution, je vous avais dit prendre soin de moi. Et du coup, hop, j'ai saucé. Donc, une chose que j'arrive pas à faire, c'est à me vernir les ongles. Je sais pas pourquoi, mais finalement le vernis ne tient pas. Donc, comme j'ai quand même naturellement la chance d'avoir les bouts des doigts blancs, bien blancs, un bon blanc. Enfin, en tout cas, je trouve que ça reste correct, quoi. C'est pas un truc jaune ou bizarre, c'est blanc. Et du coup, j'ai pris sur Octoly ce petit set de manicure et pédicure. Je me suis dit, allez Laure, dans le fait de prendre soin de toi, on prend soin de soi jusqu'au bout des doigts et des petits doigts de pied aussi. Et du coup, ça fait bien 3 semaines que je l'ai à la maison, ce kit. Et j'ai déjà utilisé 2 fois. J'essaie de faire 2 fois par semaine, prendre une petite demi-heure, 2 fois par mois, pardon, c'est-à-dire une demi-heure pour faire mes petits ongles et de mains et de pieds. Et je trouve que ça, vraiment, ça... Ça fait trop bien et c'est vrai que c'est assez pratique d'avoir un set où il y a tout dedans, quoi. Donc pour celles que ça intéresse, je mettrai un lien en barre d'infos parce que c'est vrai qu'il va y avoir une petite boîte où vous avez tout et puis ça va quand même beaucoup plus vite que à la main. Ça fait tout seul et c'est quand même un gâteau. Rentre tes blancs moutons. Coucou, coucou, chouchou. Là, elle a vu son papa. T'as vu comme je l'ai coiffée? Elle est belle avec ses couacouettes. Mon papa! Ah! Ah oui! Est-ce que tu peux nous re-rentrer la table basse, mon cœur, maintenant que Ninette, elle se balade bien? S'il te plaît. Je suis sûre que ça pourrait l'aider à se lever, en plus qu'elle sera moins haute que la table d'Eden et plus stable.
parce que je ne vous ai pas montré, mais j'ai installé ceci pour que Lily Rose se lève. Je l'ai installé il y a à peu près un peu avant qu'on parte ce week-end, donc la semaine dernière. Et en fait, c'est un bout du parc d'Éden que j'ai ficelé, donc il bouge pas, et j'ai même mis du scotch double face spécial tableau ici, qu'il faudrait que j'utilise pour mettre pour des tableaux pour nous, pour la maison. C'est très design. C'est très design. Ouais, non, c'est pas ce qu'il y a de plus magnifique, mais bon. Et du coup, pour l'aider à se lever, en fait, simplement pour avoir des appuis dans la maison, je lui en ai rajouté avec ceci. Mais pour le moment, elle va pas aussi loin que ça, la mademoiselle. Girl, you should wear a name tag. Girl, you should wear a name tag. Let's go. Summer's gone, I'm latching on. Don't even know your name, but you're still in my head. Underneath rays of gold, your body, you're so close. No, I can't forget, no. When I saw you on the dance floor, oh, I saw you who saw me first. I guess it's history now and I shouldn't care, but it still hurts. I didn't realize the danger, 'cause you're the end of the rainbow. And the music was so loud, didn't catch your name over this crowd. Récupérer Eden, on passe à Tal. Alors papa, il a fait carottes maison, à carottes sautées, avec du poisson de colin frais. Donc c'est pas du surgelé. Et pour la première fois, j'en donne aussi à Lily Rose. Donc en fait, elle mâchouille comme les carottes, c'est tout mou, ça fond. Et le poisson. Oui, papa, il a pris autre chose. Et du coup, comme ça, elle va pouvoir goûter un petit peu, même si elle a son petit pot, c'est pour qu'elle soit avec nous et qu'elle commence doucement à faire comme nous, même si elle mange pas, c'est pas bien grave. Elle a mangé un petit bout de carotte. Je me suis brûlée. Des bisous magiques. Je reprends. Les enfants sont à l'aise, je suis pas à sieste. Je suis désolée, aujourd'hui c'est une journée à 1000 à l'heure pour moi. Tu veux sortir? Viens. Là, tu veux sortir? Est-ce que c'est ça que tu veux? Communication avec un chat. Allez, no. C'est pas ça. La journée est à 1000 heures. Anthony est parti pour faire le diagnostic de la voiture. Il y en a déjà pour près de 100 € juste pour essayer de voir d'où vient le problème. C'est génial. Non mais Minouche, tu as des croquettes et tu as de l'eau. Ça s'appelle se moquer de moi. Alors tu manges tes croquettes. Tu fais pas tant difficile. Merci. Ensuite, j'avais complètement zappé. Non, on avait rendez-vous à 14h30 chez l'ORL. Ce qu'Eden, en fait, il produit beaucoup de cire dans une oreille. Du coup, il faut qu'on... De temps en temps qu'on aille chez l'ORL pour l'enlever. C'est comme un petit bouchon, mais ça ne l'empêche pas d'entendre. Faut juste l'enlever parce que c'est pas si ça, si grossi. Après, il peut avoir en fait un effet comme s'il avait un casque sur une oreille. Donc, et du coup, j'ai appelé en urgence. J'ai décalé à 16h30. Je suis debout depuis 5h du matin, mais il n'empêche que j'ai énormément de boulot à faire. Et j'ai l'impression que j'arrive pas à finir pour mon, par rapport à mon nouveau travail en fait. Et pourtant, j'ai bossé 4h ce matin. Mais comme hier, j'ai pas pu bosser dessus, j'ai encore pas mal d'heures à faire dessus. Et je galère un peu. Ouais. Oui, mon chat. Et du coup, pour une fois, je vous partage le quotidien d'une maman qui travaille en même temps qu'elle a son enfant. Ce qui s'appelle travailler en poupée. Voilà. Très concrètement. Et maintenant, je suis un peu sourde. Je lui ai descendu une de ses poupées. Oh. Elle te plaît ta poupée, mon amour? C'est Lily Rose, c'est une poupée corolle qui s'appelle comme elle, Lily Rose. Donc j'ai deux Lily Rose avec moi. Moi j'en ai une qui est plus calme que l'autre, forcément. Oh là là. Et elle est en forme, il est 15h. Tout va bien. Et aujourd'hui on est sur une journée sans. C'est pas une journée dramatique, mais la voiture est immobilisée. Anthony a dû rentrer à pied du garage parce que du coup tout le monde travaillait, donc personne pouvait venir nous chercher. Enfin le chercher, ça va que ça reste dans la ville, donc il a voilà, mis bien 20 minutes à marcher. Il m'a dit finalement ces chaussures, je pensais être des chaussures de marche, non.
Donc il est rentré, là, ma soeur a pu venir, elle a pu se dépanner pour venir nous aider pour pouvoir emmener Dan à son rendez-vous à l'ORL. Donc ils sont partis avec Anthony. Et la voiture, eh bien, on ne sait pas, on sait qu'il y a un problème, mais ils ne savent pas encore quoi. Donc ils doivent démonter tout au niveau du moteur, etc. Et quand ils m'ont dit déjà le mot moteur, c'est généralement une zone qui coûte cher à réparer. Donc déjà, ça me met un peu le moral dans les plombs. Parce que bah, ça coûte cher, quoi. Et très clairement, bah, même si on a mis un peu de côté pour des urgences, type machine à laver ou quoi, ouais, j'imaginais une machine à laver ou un frigo. Mais pas la voiture que ça fait 5 mois qu'on a, quoi. Voilà, donc ça me contrarie l'idée qu'on va avoir faire partie des économies là-dedans. Mais bon, si on doit le faire, on le fera, hein. Et puis voilà, j'essaie d'avancer sur le boulot au milieu de tout ça. Mais bon, ça va le faire, il faut que je prenne mon rythme. C'est surtout ça, en fait, le plus complexe, c'est de tout mettre en place. Puis comme c'est un début de poste, pour eux, de leur côté, c'est une ouverture de poste, même si je suis en indépendante. Il y a plein de choses qui doivent être mises en place, où on doit se caler sur certaines choses, etc. Et du coup, ça prend plus de temps en ce moment que ce que ça prendrait habituellement. Mais ça tombe sur le moment où j'ai beaucoup de choses aussi d'un point de vue YouTube. Du coup, c'est un peu compliqué au niveau organisation. Mais ça, c'est moi qui l'ai choisi, donc je fais avec. Hein. Je me plains pas, je dis juste que c'est sportif. Voilà, disons ça ainsi. J'ai remis Heureuse à la sieste parce qu'elle n'a pas beaucoup dormi. Elle a bien goûté et là elle est au dodo. Je sais pas si elle va dormir, on va bien voir. Si elle a pas envie, je la redescendrai. Hein. Soit c'est pas dramatique. Après j'attends qu'il rentre. Je dis il parce que du coup il y aura Marie avec. Parce que derrière il faut que j'aille chez ma maman pour faire charger mes vidéos que j'ai montées. Parce qu'en ce moment là le réseau à la maison ça va pas. Le boîtier il plante un peu aussi. Le bonheur de la connexion internet. Quand je vous dis que c'est la journée mauvaise. J'en ai mauvaise, quoi. Après, c'est tout du matériel, donc en soi, c'est pas dramatique. C'est juste que c'est chiant, voilà, pour dire proprement. Et après, ce soir, on a mon papa et ma soeur qui, enfin, du coup, ma soeur qui restera à la maison pour fêter son anniversaire. Il y en a une d'entre vous qui s'en est souvenue, qui l'a dit hier. J'ai envoyé mon papa, il était étonné. C'est une bonne mémoire, effectivement. Mon père, du 15 janvier, il a eu 51 ans. Et c'est vrai que je l'avais pas mentionné en vidéo parce que, voilà, j'y avais pas pensé, même si je l'ai appelé le matin pour lui souhaiter. Il y en a une d'entre vous qui s'en est souvenue et ça l'a fait bien sourire d'ailleurs, ça lui a fait plaisir. Donc voilà, aujourd'hui on fête un anniversaire, celui de mon papa. Ça va mon pépère? T'es trop classe! Oh, je me trompe de bouton. Ok. Ouais, tu veux que je t'aide monsieur? Voilà, allez jeune homme. Je suis beau dans mon peignoir. T'as vu que t'as une cagoule? Une cagoule. Regarde. Mets la capuche pour pas avoir froid la tête, là. On se retrouve, oui, c'est moi encore et toujours moi. Donc, Laure est en train d'envoyer des fichiers via la fibre de sa maman, en fait, qui habite à côté. Donc, j'ai donné un bain à Eden. Moi, à côté, je vais commencer. Là, maintenant, je vais préparer... pour ce soir, vu qu'on fait raclette, je vais faire cuire les pommes de terre, préparer la vinaigrette pour la salade, préparer les plateaux de viande. Voilà, il fallait garder quoi faire. Donc bref, voilà, donc c'est une journée de merde. Donc pourquoi une journée de merde? Parce qu'on est en gros litige avec le garage où on achetait la voiture. Ça, j'en dis pas plus, Laure vous le fera comprendre. Mais c'est pas chouette du tout. Quoi qu'il arrive, on va dire au final peut-être où on a acheté la voiture pour pas que vous fassiez la même connerie que nous. Et voilà. Donc sur ce, on se retrouve un peu plus tard. Je vais préparer le grignotage et on se dit à tout à l'heure.
Ah, il y a que ça. Tu fais ton vlog, Eden ? Oui, je vais te dire. Oui, il y a Tata qui est là. C'est qui à côté? Papi. Tu vas filmer Minouche? Non. Chacha. Coucou Chacha. Ah. Non, mais je veux. Un hublot devant la caméra. Tu vois? C'est que c'est plus large. Donne,